Hello everybody tout le monde, on se retrouve sur Planète Zoo pour la suite du Hasard Zoo, enfin Random Zoo, je sais pas trop comment l'appeler, enfin bref, notre challenge où les animaux sont choisis au hasard. La dernière fois, nous avions eu, la dernière pour le premier épisode, nous avions eu les blaireaux qui sont là, nos petits blaireaux. Voilà, on leur avait fait un enclos tout naturel. Avec voilà ce fond que j'adore, franchement, les images personnalisées, c'est trop bien. Leur petite maison, abri, et la cabane des soigneurs. Alors vous voyez qu'il y a un peu de changement au niveau des allées, j'ai remplacé ce qui était comme ça, là, comme de la pierre, par un chemin en terre, parce que je trouvais que ça rendait mieux qu'en rentrée. J'ai plus d'inspi. Parce que la pierre qui s'arrêtait brusquement comme ça, je sais pas, je... Non. Là, je fais un chemin en soi, c'est juste pour mettre un peu de déco là. Peut-être qu'on pourra mettre un enclos ici, je sais pas encore, ou plus vers là-bas, je pense. Là, on va rien mettre. Et j'ai continué le chemin par ici, parce que j'ai tiré au sort juste avant de lancer le jeu. Je mettrai la capture d'écran, parce que ça paraît incroyable, la chance qu'on a. Normalement, vous avez dû le voir au tout début de l'épisode, mais nous sommes tombés sur le le wombat commun, j'adore, une espèce du pack Twilight, c'est quoi le nom en français, Crépuscule, une espèce du pack Crépuscule. Bon, il ne partage pas d'habitat de toute façon. Voilà. Un petit marsupial, trop bien, d'Australie. J'adore cet animal. Ils ont bien fait de l'ajouter dans ce jeu. Du coup, on va faire l'enclos ici. C'est pour ça que j'ai prolongé le chemin. Je voulais pas le faire là. Parce que c'est pas le même type d'arbre, je pense. On va voir. Et de toute façon, je pense qu'on va rajouter un bâtiment pour faire la maison des Wumba. Et inclure le staff, je pense. Pour l'instant, c'est là. Là, c'est toujours les boches. Hein. Ne faites pas attention. Eux, ils n'ont pas fini de s'en aller, là. C'est toujours les boches. Donc, voilà. On va faire l'enclos ici, à cet endroit-là. Ils demandent combien, qu'on ne se fasse pas avoir comme les blaireaux. Déjà, je crois qu'ils peuvent être que deux. C'est ça. Bon, 270 mètres carrés, franchement. Même pour débuter une franchise, je trouve pas ça bête. À la place de moi, je commence et toujours par les flamants roses, mais en fait, les Wumba ne demandent pas beaucoup d'espace, donc pas un gros enclos, pas de grosses dépenses. Voilà. Je trouve que c'est un peu le même genre d'animal. Enfin, c'est pas du tout la même famille d'animal ou quoi, mais les blaireaux vivent dans des terriers, bah on a les Wumba aussi, à l'entrée du zoo. Voilà. Chacun d'un côté. Lequel est la sortie, lequel est l'entrée, je ne sais pas encore. On verra bien. On fera un sens de la visite après. Du coup, bah, c'est parti pour l'enclos du Wumba. Donc, vous avez vu, cette fois, je ne me suis pas trompé dans le branchement du micro. Donc, c'est parti. Je vous retrouve à la fin pour faire le petit tour et la mise au point de l'enclos. Thank you.
Trois trucs, on va découvrir ça ensemble, je vais vous montrer tout de suite. Heureusement que j'ai sauvegardé le jeu à planter. Donc il faudra vraiment que j'aménage la boutique. Et là je pense que je vais faire un restaurant, un truc comme ça en face, puisque je vais pas mettre d'enclos là. À voir, je ferai ça hors caméra, je pense. Donc là on a le bâtiment, non j'ai filmé ça je crois, pour séparer un petit peu vraiment l'entrée du zoo. Donc le bâtiment, d'ailleurs c'est trop bien. Que ça play des Wombat. On a aménagé le coin des soigneurs. Ils peuvent préparer le repas. Oui, je sais. Ils peuvent préparer le repas, surveiller les animaux de l'autre côté de la barrière. Ils viennent de là-bas. D'ailleurs, je viens de voir petit bug là. Faudra que je rectifie ça. Les fenêtres, ça me dérange pas, mais il faut pas qu'on voit ça. Donc, je vais rectifier ça. Hop, et là l'enclos. Ils dorment. Ah oui. Avec. Alors j'essaie de faire une frise. Voilà. Une frise des paysages australiens. J'ai mis des poutres pour que les séparations soient pas trop abruptes. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. On a eu de la chance de tomber sur les Wumba, je trouve. Par rapport, bah voilà, on avait ce coin-là. Franchement, je suis pas sûr qu'on aurait pu faire un truc aussi bien avec, j'en sais rien, avec les rennes. Ou avec, je les aurais fait ailleurs, clairement. Clairement, ou avec les buffles, hein, j'aurais fait ça ailleurs. Voilà, oh, ils sont là. Jouent à la balle. On va rentrer dans l'enclos. Hop. J'ai remis le petit machin là, comme ça, quand on vient de là-bas, on sait qu'ici c'est les Wombas. Donc là, le petit. Ah, faut que. On va rajouter. Je vais rajouter une porte aussi pour que les soigneurs puissent accéder à cette zone. Soit là, soit. Bah là, il y a la frise. Ou alors, faut dire qu'il y a une. Je rajoute comme une poignée. En mode, il y a une porte secrète derrière la frise. Voilà, les gens peuvent observer les Wombas. Faut que je change le chemin qu'on voit et puis ça. Et puis là, le coin des soigneurs. Alors pour l'instant, aménagé comme ça. À voir comment je l'aménage ensuite. Voilà. Et eux, ils peuvent passer par là en dessous. Ça. Voilà, ils ont leur petite abri. Ils ont pas de terrier. Comme les blaireaux. Parce qu'on est dans un zoo. Mais ils ont quand même de quoi être abrités. Ouais. Il est ressorti. Oh! Il faut changer la pastèque, elle pue. Il veut pas? Faut la virer là, elle est moisie. Enfin bon, bref. Voilà un petit peu pour l'enclos des Wombas. Franchement, j'adore. J'ai encore utilisé cette technique là. Promis, je vais pas l'utiliser tout le temps. Mais franchement, je trouve qu'on peut. Ça permet de faire des choses super bien. Du coup voilà, là-bas on a nos bureaux. J'ai réutilisé les mêmes clôtures, je pense que vous avez vu, mais bah franchement je trouve que ça rend super bien. Alors pourquoi s'en priver? Ça permet d'avoir un style cohérent dans le parc, ça va bien avec le chemin de terre aussi d'ailleurs. Chemin de terre, je sais pas si je vais le laisser, mais je trouve que ça rend beaucoup mieux que le chemin en pierre. Voilà, j'ai vu que nos petits blaireaux là, ils vont pas tarder à avoir des petits. Ah bah, il y en a déjà.
Oh! Niveau or en plus. Et ça, c'est pas beau. Toi, t'es niveau quoi? T'as un petit mal. Niveau or aussi. Voilà. Et ils vont manger. En même temps, le papa est niveau argent. Je crois qu'il y a deux. Il y a deux mâles. C'est plus. Non, tu veux pas les manger, toi, tu préfères jouer avec la mangeoire boule. Regardez, ils vont tous aller manger là. Ils vont me faire mentir. Non, c'est bon. Ouais, c'est ça, il y a deux mâles argent et une femelle bronze. Bah, le petit mâle, on va le renvoyer. Le père de la femelle, on va le renvoyer. On va garder la femelle or. Et puis, on va renvoyer la mère aussi. Une fois qu'ils seront adultes, ils sont super beaux, je trouve. Enfin bon, bref, voilà pour l'épisode 2 de notre zoo. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite. Là, franchement, je suis super satisfait. Donc, je me dis, on peut faire des enclos de dingue. Je sais pas sur quoi on va tomber, mais j'ai jamais mis les castors. Franchement, je sais pas sur quoi on va tomber, mais j'espère pas un truc où j'ai pas d'idée pour le moment. Il y a des animaux, j'ai des idées, d'autres comme les manchots. J'ai pas d'idée où les mettre pour le moment. Donc, si on pouvait éviter, quoique, en vrai, si là je fais un bâtiment, là je fais, ouais, mais là qu'est-ce que je mets? Vous voyez, j'ai pas d'idée. Bref, cet épisode a duré assez longtemps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve très vite. Pardon, j'ai le hoquet. Okay.